Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison de Koh-Lanta, loin, très loin de la France. Et c'est dans cet archipel idyllique, en tout cas en apparence, que 24 Français convergent vers moi à près de 17 000 km de chez eux. Ces nouveaux aventuriers ne le savent pas encore, mais ils viennent jusqu'ici pour représenter leur région, leur terre. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises, car pour la première fois dans l'histoire de cette aventure grandiose, 4 tribus vont s'affronter. 4 grandes régions de France, la tribu du Nord et sa couleur, le violet, la tribu de l'Est et sa couleur, le vert, la tribu du Sud, elle sera bleue, et enfin la tribu de l'Ouest, elle sera orange. Voilà 4 tribus face à face, avec une grande nouveauté sur les jeux de confort. Il y aura 2 récompenses à gagner. La tribu qui l'emportera choisira entre les 2 récompenses. La tribu qui terminera 2e prendra la récompense qui n'aura pas été choisie par les gagnants. La tribu 3e rentrera sur son camp bredouille. Et en revanche, la nouveauté, c'est pour la tribu qui terminera 4e, qui terminera dernière. Elle ne partira pas sur son camp, mais en revanche, elle partira pendant 24 heures sur l'îlot de l'exil. C'est un tout petit caillou qui sort du Pacifique, balayé par les vents, où, croyez-moi, il n'y a quasiment rien. Koh-Lanta les 4 terres, c'est une aventure totalement inédite. Et elle va commencer. 4 tribus, 24 aventuriers, et à la fin, il n'en restera qu'un.